Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. On va parler aujourd'hui des normes USB. Alors les normes USB, pourquoi je vous parle de ça? Puisque on voit souvent USB 1, USB 2, USB 3, et peut-être que vous ne savez pas forcément à quoi ça correspond. Alors rapidement, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, je vais vous parler de débit, c'est-à-dire la vitesse de transfert des données entre le disque dur externe et votre Mac, puisque l'USB sert principalement, on va dire, à relier un disque dur externe sur le Mac. Alors pas que, hein, ça peut être un clavier MIDI, etc. Mais les vitesses de transfert de données, hein, ces vitesses USB 1, USB 2, USB 3, sont surtout intéressantes lorsqu'on veut transférer des données du Mac vers un périphérique externe, donc comme un disque dur externe par exemple. Donc l'USB 1, ça date vraiment de longtemps maintenant. C'était des débits de 12 mégabits par seconde. L'USB 2, on est passé en 480 mégabits par seconde, donc l'USB 2, ça date maintenant des années 2000, donc ça commence à être vieux. Et l'USB 3 est apparu sur les Mac à partir de 2012, et ça porte le débit à 5 gigabits par seconde. Donc vraiment la différence entre l'USB 2 et l'USB 3, c'est quasiment x10, en tout cas sur les débits théoriques, hein, puisque entre ce qui est affiché entre la théorie et la pratique, on constate quand même qu'il y a toujours une différence. Mais la différence de transfert, quand vous transférez des fichiers du Mac vers un disque dur USB 2 et du Mac vers un disque dur USB 3, elle est vraiment énorme, c'est quasiment x10. Donc, si vous achetez un Mac d'occasion, par exemple, ça vaut vraiment le coup de regarder s'il est en USB 2 ou s'il est en USB 3. S'il est avant 2012, il sera USB 2. Et s'il est à partir de mi-2012, vérifiez bien si c'est un modèle 2012, s'il a bien l'USB 3. Eh bien, vous aurez l'USB 3. On a maintenant aussi l'USB-C qui commence à arriver dans la gamme de portables d'Apple, qui va porter bientôt les débits à 10 gigabits par seconde, ce qui ramène les débits à peu près au Thunderbolt 1. On est maintenant au Thunderbolt 2, on va passer au 3. Donc voilà, faites attention au débit, notamment si vous avez beaucoup de fichiers à copier, notamment si vous faites de la vidéo, je vous conseille de vraiment regarder les débits de votre Mac. Alors pour cela, vous pouvez aller dans le menu pomme en haut à gauche de votre écran, vous allez dans « À propos de ce Mac », « Rapport système » et vous regardez dans « USB » si vous avez des ports USB 2 ou USB 3. Voilà. Sinon, il y a une application pour ça qui est vraiment super, qui s'appelle Mac Tracker, qui est gratuite sur le Mac App Store et qui permet de vraiment savoir toutes les caractéristiques de n'importe quel Mac en fait. Voilà. Donc USB 1, USB 2, USB 3. L'USB 3 est arrivé donc, je rappelle, sur les Mac après 2012. Faites bien attention à cette distinction, c'est important notamment si vous achetez un Mac d'occasion. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt sur le blog Utips.